Bonjour à tous, c'est Delta et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Merci, je voulais commencer cette vidéo par un merci. Merci parce que grâce à vous, Delta Plane, en plus d'être une chaîne YouTube grandissante, est le plus grand serveur Discord de RDR francophone. Avec plus de 1500 membres à l'heure où je vous parle, nous sommes la plus grande communauté francophone avec pour objectif de minimiser les risques liés à la consommation de stupéfiants. Qu'on soit clair, le but du serveur est d'échanger en direct avec d'autres personnes pour pouvoir poser ses questions et avoir une réponse de façon beaucoup plus rapide et interactive qu'avec un forum. Le but n'est pas d'apprendre à se défoncer, mais d'apprendre à consommer correctement et responsablement. Pour vous montrer un peu comment tout se passe, je vais vous faire un tour du serveur. Lorsque vous rejoignez, il faut lire et accepter le règlement. Comme partout, il y a des règles sur le serveur et il faut les respecter, donc pas de demande ou de proposition de plan pour de la drogue, on garde l'anonymat, on reste poli, mais surtout, il faut être majeur. Le serveur est interdit au moins de 18 ans pour des raisons évidentes. Toute personne ne respectant pas ce règlement se verra bannie par l'équipe de modération. Une fois le règlement accepté, une myriade d'autres salons apparaîtra. Nous avons par catégorie les salons de bienvenue, qui permettent au staff de passer des messages importants ou qui vous permettent de contacter le staff. Ensuite, on a les salons communautaires, où il est interdit de parler de drogue. On peut y échanger sur tout et n'importe quoi, c'est sympa pour discuter entre vous sur tous les styles de sujets. On a ensuite les plus intéressants, ceux sur la drogue. Un salon par type de drogue et vous pouvez poser n'importe quelle question tant que vous la posez dans le channel approprié. Vers la fin, on a les salons communautaires où il est autorisé de parler de drogue, mais plus dans le cadre d'une discussion ou d'un débat que dans le but de s'informer. Le but est de discuter autour des produits dans le channel approprié. Et enfin, à la fin, les channels d'urgence qui, comme leur nom l'indique, ne sont à utiliser qu'en cas d'urgence. Par exemple, une blessure sous produit, c'est une urgence. Un besoin de discuter pendant un bad trip, ça peut l'être aussi. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas ce channel si vous n'êtes pas dans une situation qui le nécessite. Comme vous pourrez le voir, le but du serveur est exclusivement de s'informer sur la réduction des risques. En aucun cas, il n'y a d'incitation à la consommation, et d'ailleurs, inciter un membre à consommer est passible de ban aussi. Il y a un grade important sur le serveur, le grade de psychonaute informé. Peu importe dans quel channel vous postez, ils feront au mieux pour être là pour vous. C'est un grade qui ne se demande pas mais qui se mérite et qui est décerné aux membres ayant démontré leur bonne volonté et leur connaissance accrue sur les produits psychoactifs dans leur ensemble. Ce sont des membres qui ont démontré leur connaissance et leur capacité. Il y a aussi les grades psychonautes stylés pour ceux ayant acheté des vêtements sur la boutique Utip et psychonautes enfumés pour ceux ayant acheté des feuilles à rouler custom. Bon, par contre pour les feuilles, je suis en rupture de stock, vous avez tout commandé. Ne vous inquiétez pas, je vais recommander sous peu, j'ai vu que le produit vous plaisait. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don sur Utip ou Tipeee et ça vous donnera un accès au prestigieux grade de psychonaute fortuné ainsi qu'à un channel privé. Et si vous voulez soutenir le Discord, il est possible de le booster Nitro et vous aurez accès au grade psychonaute booster. Bien sûr, il est possible de cumuler les grades. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous savez tout ou presque sur le Discord Delta Plane. Si vous voulez rejoindre la communauté, le lien est dans la description. Vous pourrez poser vos questions ou simplement échanger avec moi et la communauté. Encore une fois, c'est un serveur de RDR, donc pas d'échange de plans, pas de tuto pour se défoncer et pas de troll, sinon c'est ban direct. Merci à tous d'avoir écouté. Pensez à laisser un pouce bleu et un commentaire. Trip safe !